Et avec Noudoui, on fait un fan de Halo 2. On va se le traîner encore longtemps. N'importe quelle cellule fera l'affaire. On devrait le leur donner en pâture. Ça leur ferait de la viande. À eux, pourquoi pas à nous? J'ai faim. Et sa chair est brûlée juste comme je l'aime. Taisez-vous. J'ai l'impression d'entendre des grognards. On ne le met pas en prison. Les hiérarques lui réservent une surprise. Et de la pitié. Voici l'incapable. Tu peux disposer, Tartarus. Mais je pensais... Emmène tes brutes avec toi. Relâchez le prisonnier. Le Conseil a décidé de te pendre par les entrailles et d'exposer ta dépouille. Mais c'est à moi que revient l'honneur de décider du mode d'exécution. Je suis déjà mort. Et effectivement. Sais-tu où nous sommes? Le mausolée de l'Arbiteur. C'est cela. C'est ici que repose l'avant-garde du Grand Voyage. Chaque Arbiteur, du premier au dernier, chacun né et consumé lors de crises extrêmes. La soumission des chasseurs, la révolte des grognards. Sans les Arbiteurs, l'Alliance aurait déjà volé en éclats. Même en rampant, je ne suis pas digne d'être ici. La destruction de Halo était une faute, et tu en es responsable. Mais le Conseil a fait du zèle. Nous savons que tu n'es pas un hérétique. Voici le véritable visage de l'hérétique. Celui qui incite à la rébellion contre le Grand Conseil. Nos prophètes mentent. Ouvrez les yeux, mes frères. Ils se servent de la foi des anciens pour nous mener au chaos. Le Grand Voyage est une trompe. Cet hérétique et ses disciples doivent être réduits au silence. Ces mensonges offensent tous ceux qui suivent la voie. Que puis-je faire? Je ne peux plus commander de vaisseaux. Ni de soldats. Ainsi, non. Mais en devenant l'Arbiteur, et tu auras notre bénédiction pour réduire cette hérésie à néant. Et pour le Conseil? Il y a peu de chances que tu survives aux missions que nous te confierons. Tu mourras, comme tous les autres Arbiteurs avant toi, et le Conseil aura ton corps. Qu'attendez-vous de l'Arbiteur exactement? En rejoignant l'Alliance, nous avons prêté serment. Conformément à notre rang, tous sans exception. Sur le sang de nos pères, sur le sang de nos fils, nous avons juré de soutenir l'Alliance. Même si nous devons mourir. Ceux qui renient ce serment sont des hérétiques. Ils ne méritent ni pitié, ni clémence. Ils utilisent les créations de nos seigneurs pour diffuser leurs mensonges. Nous en ferons de la poussière. Et nous continuerons notre marche vers le salut. Cette armure est parfaite, mais on voit encore cette marque. Rien ne peut l'effacer. Vous êtes l'Arbiteur, le bras armé des prophètes, et ce sont mes élites.
Leur vie m'importe, pas la vôtre. Nous sommes d'accord. Chef, pas de doute. La tempête frappera les installations. Nous serons partis avant qu'elle soit sur nous. Manu Pocahontas. Oh! Hey! Nous voici orbiteurs! Petite originalité d'Halo 2, on joue aussi les élites. Alors je pense que l'un de nous deux n'est pas l'arbiteur. Je sais pas, toi, moi j'ai l'impression que toi t'as la tronche. Et inversement, je sais pas. Ouais, t'as l'air d'avoir l'armure normale ou... Pardon, vas-y. T'as l'air d'avoir l'armure. Je sais pas. Bah toi aussi. Ok, on est tous les deux avec l'armure d'un arbitre. À l'origine, il me semblait que c'était plus un arbitre et le reste c'était des élites plein d'armes. Mais ok. Il a dû perturber leur communication. Oh, il y a des armes. Nous avons l'avantage de la surprise. Et on a un camouflage, attention. À la place de la lumière, de la lampe torche, on a le droit à quelques secondes de camouflage. Donc, fais pas attention. On va retirer. Activez le camouflage. Ne vous montrez que lorsque l'arbitre est en prise avec l'ennemi. J'avoue que j'avais plus en tête qu'il allait le dire. Vous devriez faire de même, Arbiteur. Mais prenez garde, votre armure n'est pas aussi récente que les nôtres. Votre camouflage n'est plus temporel. Ouais, ouais. Effectivement, eux ils ont un camouflage. Un truc qui est dur et nous c'est vraiment très temps. Alors, c'est le truc un peu dur, hein. C'est de définir qui est copain ou pas. On a que des élites, hein, enfin des copains. Là. Ah, je suis où ? Moi je l'ai eu, t'inquiète. Alors, pas des ennemis à côté, ok. Mais ça va. Non ! Oh la vache ! Je me suis pris la grenade et j'ai volé les tombées. Ah non, c'est un copain ça. Alors, ouais. Oui, non, en fait, carabine, c'est bien. Ouais, bon, on va je peux passer à gauche, je peux passer à droite. Faible et fragile. Ici, si on peut continuer, ok. Ça c'est quoi? Ça c'est un sniper, ok, d'accord.
des sentinelles, les guerriers saints des anneaux sacrés. Que font-elles avec ces hérétiques? Silence. Oh la vache! J'ai failli faire plein de gens de pompiers. Ouais, faut faire bien, faut. Au tapis roulant. Si on peut appeler ça comme ça. Si c'est bon, le tapis roulant ils en vont en bas. Allez, je vais en bas. Non, c'est vrai que dans Halo 2, c'est pas en un coup l'épée, c'est d'abord un coup pour enlever le bouclier et puis un deuxième. Oh. J'avais zappé ça. Ah, c'est pour ça que ça me faisait bizarre depuis tout à l'heure. Je utilise l'épée et ça tue pas quoi. Mais ouais, ok. Il faut aller. Alors on a un bouton là pour ouvrir le hangar. Je sais pas en termes. Ouais, si c'est bon, j'ai bien l'épée, c'est cool. Bah, c'est parti. Putain, d'où lui il m'a en un coup quoi. Incompréhensible. Ouh alors, j'ai pas joué avec ça, mais ça peut être trop drôle. C'est quoi ça? Camouflage activé. D'accord. Oh, mais c'est des armes des sentinelles! Et en voilà un autre! C'est qui va se concentrer? Combien de temps penses-tu te cacher, l'arche? Oh non! Bah, c'était une mauvaise idée. Espace confiné avec les nucléaires. Tout mouru, vas-y, que ça plaise. Et carabine, ça me va. Ouais. T'as eu de la chance, j'ai failli coller le mec que tu visais à l'épée. Ah, je suis mort, mais j'ai joué le bourrin là, c'est marrant.
Un terminal ici, c'est quoi ça? Ah, c'est une cinématique. Bien vu. Merde, je suis en bas. Comment on monte? Il y a un escalier juste à côté. Alors, il y a un souci parce que moi là, je te vois dans le vide face à un mur vide. Oh. Ah, mais c'est parce que. Comment on fait pour chuter de. J'ai l'impression que je suis sur l'ancienne version en fait, de Halo 2 là. C'est passé de la version remaster à la version d'origine et ça va pas du tout. The prophets will be pleased that we have rescued the oracle from the humans' violation of the holy temple. Why do you keep calling it a temple? My installation was a weapon, and one which we needed very, very badly. Non mais c'est un truc de ouf. Je te vois, t'es face à un mur, y'a rien du tout. I do not understand. We were told the rings are salvation, a gateway to paradise. Told by whom? Anyone who told you that is a fool, or quite, quite mad. That installation was a beautiful tool, designed to destroy everything the flood might fly on. C'est pas tabulation, c'est... Ok, ça y est, je l'ai. And if even one flood spore survived the destruction of my ring... Communications. Shut down all lines to the fleet. We will not notify the prophets of our discovery. Until I hear everything this oracle has to say. I will gladly share what I am permitted, but we have little time. What has been unleashed here could destroy everything you have ever known. On that, Oracle, we are in agreement. C'est bien, ces cinématiques, des fois elles partent en vrille en mode elles anticipent Halo 4, 5 et tout, mais là c'est cool, ça remet un peu de profondeur à l'ancien jeu. Ok. C'est bon pour moi, t'es prêt? Ouais. Ça se passe en face, hein. Je vois des ennemis. Ah non, c'est un allié qui marche dans le vide, ok. Ouais, j'ai essayé de le débloquer, mais il veut pas. Ouh, par contre, j'avais pas en tête qu'on débloquait déjà dans Halo 2 le laser. Le laser sentinelle. Eh ouais, mon gars. Personne peut voir moi. Allez, on y va et je vais jouer du laser. Allez.
bien dès ma bande. Il est fait comme un... Ça va, enfin je sais pas, je te vois pas en fait, c'est... Il y a un bug ou c'est moi? Qu'est-ce qui se passe de ton côté? Bah il y a du combat. T'es en combat là? Ouais. Non, arrête. Mais d'où? Par où? Il y a une sorte de petite... pas très loin de le terminal où on était, il y a une porte et... Parti du mauvais côté. Ok. T'as trouvé des ennemis. C'est le bon chemin, ça veut dire. Le double Nidler, j'aime beaucoup. Hein. Oui. En espace continu, c'est pas le top, mais quand même. Le double Nidler... Ça, c'est efficace. C'est un duo merdique que j'ai là, putain. Dominique. Je peux pas l'en empêcher. Ah, j'ai pas de TP. J'avoue que j'ai pas tout compris de ce qui s'est passé là avec des TP et tout. Mais je crois que c'est passé. Je crois. C'est TP derrière. Allez, moi aussi. Oh non, putain, TP de merde. Ok, moi aussi j'en vais jouer avec les deux nids là, bordel. Oh, enculé, enculé. Bataille, il avait bien reculé, bien grenadé l'enfant. Ah ! Voilà, pourquoi que je m'amuse en fait, fuck quoi, c'est efficacité, c'est tout, ok. On va jouer comme ça. Il est où? Je comprends rien ce qui se passe, c'est un truc de ouf. Ok, on a passé la zone, donc je crois. Je crois que j'ai tué tout le monde. En fait, alors, petite astuce à l'épée que je viens de réaliser, ça marche déjà sur Halo 2 et ça c'est un truc de ouf. Je ne pensais pas. On croit que l'important c'est viseur rouge et gâchette de droite pour attaquer. En fait, le coup de poste, il t'empêche de te verrouiller et de te bloquer pendant quelques secondes. Et donc avec le coup de poste, tu peux être très très... efficaces et surtout beaucoup plus rapides s'ils sont au corps à corps. Là, je viens d'entraîner au corps à corps des gens sans faire d'attaque, de tir et ouais, ils ont fait cher en fait. Je vais rester au niveau de la... Merci. Je pensais pas que sur Halo 2 ça le faisait ce truc-là, mais ok. T'as dit quoi? J'ai pas entendu. Non, c'est le mec là, il va prendre là, un mec chez nous qui est resté au niveau d'une porte et... Ah, donc, ouais. C'était un peu chiant, il me bloquait quoi. Attention, les sentinelles sortent.
Eh, la carabine, elle est ultra efficace contre les sentinelles. Ouais, j'avais eu ça en tête. Elle a été nerfée après aussi, je crois. Arbiteur, les hérétiques mobilisent leurs forces aériennes. Allez vous occuper de leur chef et faites attention. J'envoie ouais, l'un ouais. de grands tours en renfort. Oh. 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 Alors on a un missile en au-dessus de la gâchette, enfin au-dessus de la gâchette, je sais pas que c'est le bouton pour toi, mais un bouton pour faire un missile. Et avec la touche de saut, on peut faire des acrobaties. Yes. Je sais pas si tu l'as, mais moi je fais des loopings et des brises. Ah. Regarde-moi, tu l'as ou pas? T'arrives à faire des loopings? Non. C'est la touche de saut. Est-ce que tu peux faire la touche de saut avec une direction en haut ou sur les côtés? Non. T'as des trucs différents, désolé. Ouais, il faudra que tu regardes qu'est-ce que ça veut dire, parce que mine de rien, sur les parties multijoueurs, ça joue ces trucs-là. Il y a encore un ennemi, vas-y. Celui qui te poursuit, je suis dessus. Et c'est juste de l'esquiver et il va. Bah il est mort, voilà. Après là le Banshee ça fait plus rien. Hein. Ouais, alors à savoir que tu peux aussi accélérer comme avec le ghost avec bah alors ce qui pour moi est la gâchette ghost, mais c'est pareil, je suis mort, voilà. Ouais. Et tu viens de me faire apparaître sur un bâtiment. C'est pas grave, c'est un bâtiment cool. Oui, c'est un bâtiment avec un banshee dessus, donc c'est cool. J'arrive. Mais je suis mort. Ah, alors attends. C'est réapparu, mais je sais pas si on est monté dans les parages. Non. Désolé. Bon, écoute, je les bute déjà. Ah, oh, comme par hasard, un monté est apparu. Ah. Qu'est-ce qu'ils étaient maniables? Je ne connais pas comme ça. Il n'y a pas des petits secrets, des petits trucs là. Ok, ok. Attention au lance-roquettes. Ah il m'a touché. Est-ce que t'as tous les armes sur ton... On a les tirs mitraillettes, mais on a aussi les explosifs, les missiles, quoi. J'en sais rien, je sais pas. Ah merde!
Ok. Dégagez la zone d'atterrissage et montez. Allez, je te fais apparaître. Par contre, tu vas être en plein combat tout de suite. Hein. Oh non, alors, ça, c'est dégueulasse. Ça, je comprends pas pourquoi il t'a fait ça, le jeu. Voilà. Là, c'est... Je t'aurai. Alors, si tu veux, il y a des lance-roquettes covenantes à disposition. Et moi, je vais changer l'épée parce que du coup, l'épée et lance-roquettes, c'est pas le bon duo.